s'estouffler, j'étais comme ça. Tellement que c'était bien tourné. Exactement. On va imaginer qu'on marche dans ce caractère-là. Vous voyez ? On est un petit peu plus tonifié par l'air frais. On peut essayer ça ? La, 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 la. Moi, ça me libère, par exemple, quand je pleure ou quand il y a des décès et tout ça, ça me libère un petit peu, alors je chante tout le temps, même le soir. Bon, des fois mon frère il me dit « tu peux dormir ?» Mais oui, parce que moi j'arrive pas vraiment à dormir le soir. Vous laissez glisser votre voix. Là on va laisser glisser la voix, mais entre deux notes. À vous. Bah, je trouve ça formidable parce que c'est un compositeur vivant et que souvent on fait travailler aux enfants des œuvres anciennes où ils n'ont pas forcément la notion de l'âge du compositeur, 300 ans, 200 ans, 50 ans, pour eux c'est un petit peu la même chose. Et là, de pouvoir savoir que c'est un compositeur vivant, qui leur a parlé via une vidéo, qu'ils vont peut-être voir lors du concert terminal, je crois que c'est hyper important pour des jeunes chanteurs et des jeunes musiciens, même simplement amateurs, de pouvoir rencontrer un compositeur et qui crée la matière, et pour eux en plus, dans une partie des œuvres. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Ben, ils étaient un petit peu interloqués parce que je crois qu'ils ne mesuraient pas l'ampleur du projet et le fait d'aller travailler. Alors travailler avec des collégiens, ça, à la limite ça peut leur parler puisqu'ils ont des liens école-collège. Travailler avec des autres adultes, là déjà c'était plus... Puis alors des artistes, c'est quoi, enfin, est-ce que ce sont ceux qu'on voit à la télé? Il y avait toute cette notion un peu d'inconnu. Et puis Nathalie en a reparlé pas mal en classe. Et tout de suite, ils ont été assez émerveillés, quoi. L'idée de pouvoir travailler ça, on a insisté sur le fait que c'était pas toutes les classes et que c'était une chance aussi de faire ce genre de projet. Ampleur et une telle mixité de chanteurs, adultes, enfants, amateurs, professionnels, adolescents. C'était une ouverture formidable pour nos élèves. Voilà, respirez bien, jusque, comme si vous respirez comme une bouteille qui se remplit jusqu'au fond de vos pieds. Da, 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 avec moi. Da, 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 justement, se réapproprier cette matière qui a été apportée aujourd'hui et puis essayer d'aller plus loin, de la consolider, de partir sur les acquis, d'utiliser aussi tout ce que vous avez apporté durant cette séance et puis faire le petit rappel, dire, vous vous souvenez quand Marion disait ça, quand Anaïs disait ça ou Esther. Et je crois que du coup, ça va faire la connexion parce que maintenant, vous êtes concrète pour eux. Et puis, c'est presque des amis qui sont venus et puis avec qui on va faire de la musique, quoi. Ça libère de chanter, ça... En fait, tu peux chanter ce que tu veux, il n'y a personne qui va te juger. Et en plus, quand tu as des trucs à dire, tu peux les dire en chantant, tout ça. J'ai déjà essayé d'écrire une chanson. Ouais.